Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. On va parler de l'Argus 3 Pro. Je vous avais déjà parlé de cette gamme de chez Reolink. Et dans cette gamme, toutes ces caméras sont capables d'intégrer une carte micro SD en mémoire interne jusqu'à 64 gigaoctets. Aujourd'hui, on va donc parler de Reolink Argus 3 Pro. Reolink est une marque de caméras de surveillance, détection de personnes, détection de voitures. Enfin, la toute nouvelle Argus 3 Pro a de nouvelles capacités. Elle vous avertira aussi lorsqu'une personne passe devant la caméra. Elle se mettra donc à sonner et à vous avertir par notification. On va donc tout de suite faire le déballage de l'Argus 3 Pro avec son tout nouveau panneau solaire qui est lui en option. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à me soutenir, surtout par rapport au référencement YouTube. Je compte sur vous à liker et à partager cette vidéo. Allez, on passe tout de suite au déballage de l'Argus 3 Pro. C'est parti. Alors, Reolink est connu pour toute sa gamme de caméras haute qualité et on peut s'apercevoir que cette Argus 3 Pro peut être équipée d'un panneau solaire. Alors, ce panneau solaire est une option. Vous trouvez cette caméra accessible au prix de 90€. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Équipé des dernières technologies Reolink, l'Argus 3 Pro est équipé d'une batterie interne de 6500 mAh qui, une fois chargée, peut durer plusieurs semaines sans avoir besoin de recharge. En option, vous avez la possibilité de connecter un de ces panneaux solaires. Alors pourquoi je vous présente ce genre de caméra? C'est que déjà, l'installation est ultra facile et la détection est ultra puissante. Pour une personne malvoyante, entendre que quelqu'un pénètre sur son terrain ou devant sa porte, le son fourni par cette nouvelle Argus 3 Pro est vraiment très puissant. Ça peut être très utile lorsqu'on est malvoyant ou non-voyant d'entendre une caméra sonner et vous prévenir que quelqu'un est présent à proximité. Passons tout de suite au déballage et voyons ce que le package nous propose. Alors côté package, on a vraiment quelque chose de très soigné et ça, ça fait plaisir. On va tomber tout de suite sur un carton avec à l'intérieur différentes notices d'utilisation. Et bien sûr, cette notice est correctement francisée. Vous allez donc retrouver quelques petits autocollants pour prévenir que votre maison est sous vidéosurveillance. Une fois les notices retirées, on rentre directement dans le package et là, il y a quand même pas mal de petites choses. On aura donc le câble de rechargement et ce câble est de type micro USB vers USB-A. On va donc trouver différents supports. Par exemple, si vous désirez positionner votre caméra à même une table ou un bureau. Vous allez donc retrouver une petite sangle. Si vous ne désirez pas percer, vous allez pouvoir sangler votre Argus 3 Pro où vous le désirez. Et ça, c'est plutôt bienvenu. Et bien sûr, si vous désirez donc fixer votre caméra, vous aurez donc tout le dispositif cheville et vis qui est fourni dans le package. Ceci se passait côté gauche du package. Au centre du package, on va retrouver donc notre Argus 3 Pro qui est vraiment de super bonne qualité. IPX66, cet Argus Pro est entièrement waterproof. Vous allez donc pouvoir la positionner à l'extérieur. Il va pouvoir pleuvoir, il va pouvoir faire soleil, neiger, geler, votre caméra fera toujours un super bon travail. Un petit film de protection sur le devant de la caméra est positionné. On va l'enlever et petite séance d'ASMR les copains. Alors une fois la caméra sortie, on s'aperçoit qu'on a vraiment une très belle caméra, un très beau dispositif. À l'arrière, on va trouver donc le pas de vis pour la visser en hauteur ou la positionner sur un bureau comme je vous ai déjà dit. Derrière, vous avez un petit capot hermétique pour brancher la caméra et la recharger. Bien pensé lorsque vous allez mettre la caméra à l'extérieur de refermer ce petit bouchon qui va donc rendre hermétique votre caméra. À l'arrière, un petit code QR qui est ultra important, ce qui va vous permettre de pouvoir connecter votre caméra à l'application Reolink.
D'ailleurs, l'application est entièrement compatible iOS Android, donc pas de souci pour les utilisateurs des différentes plateformes. Juste dessous, vous allez retrouver une autre petite trappe où vous allez donc trouver le petit bouton poussoir marche arrêt et l'endroit où vous allez pouvoir insérer votre carte mémoire micro SD pouvant aller jusqu'à 64 gigaoctets. On continue rapidement le déballage de la caméra. On va donc retrouver un petit capuchon de protection. On va retrouver un pied de fixation. Voilà pour le packaging très soigné de chez Reolink de l'Argus 3 Pro. On va tout de suite déballer le petit panneau solaire et mettre en place cette caméra à partir de l'application Reolink que vous trouvez sous iOS et Android. Côté panneau solaire, c'est tout simple. Alors attention, le panneau solaire est bel et bien une option. Vous pouvez commander l'Argus 3 Pro seul ou avec ce panneau solaire. On a toujours donc le carton sur le dessus avec les notices d'utilisation et les autocollants, comme quoi votre maison est bien sous vidéosurveillance. Une petite protection par rapport à ce panneau solaire. Et on a donc ce magnifique panneau solaire, on montre ici, de couleur noire, avec sa connectique, bien sûr, micro USB pour recharger votre Argus 3 Pro. Ensuite, on aura donc le pied pour aller fixer ce panneau solaire là où vous désirez. Voilà tout ce qu'on aura dans le package du panneau solaire. Côté panneau solaire, on a déjà donc un fil qui est très très long, au moins 3,5 mètres. À l'arrière, on va trouver le petit pas de vis où vous allez pouvoir visser le pied. Et bien sûr, vous allez pouvoir diriger votre panneau solaire comme bon vous semble. Voilà donc, une fois que vous avez terminé votre déballage, vous n'avez plus qu'à vous diriger sur l'App Store ou sur le Play Store et télécharger l'application du nom de Reolink. Une fois cette application téléchargée, elle va vous demander de numériser le code QR qui se trouve derrière votre caméra. Pourquoi je vous présente cette caméra? En fait, c'est que l'installation est ultra facile à faire pour n'importe quelle personne, ultra accessible. Et que cette caméra, au niveau de l'application Reolink, elle est facilement gérable via le VoiceOver ou TalkBack sans aucun problème. Attention donc, vous allez donc pouvoir la connecter à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz, ce qui va permettre de la mettre à une certaine distance. La visibilité avec cette caméra sera d'à peu près 10 mètres et cette caméra sera capable donc de reconnaître des personnes et des objets en mouvement comme des animaux ou des voitures ou tout autre objet qui traverse son champ. On lance l'application. Une fois que vous lancez l'application, on vous demande donc de scanner le code QR de votre caméra. Vous activez le petit bouton poussoir. La caméra s'allume, fait un petit bruit sympathique et attend d'être flashée par votre application. C'est très rapide, vous passez votre iPhone ou votre smartphone et le code QR sera vu instantanément. Ça a été très rapide. Une fois ceci fait, vous avez cette fenêtre qui s'affiche. Vous devez configurer les paramètres Wi-Fi pour les appareils nouvellement ajoutés ou réinitialisés. Wi-Fi déjà configuré. On va valider ce bouton. Assurez-vous que la caméra est sous tension. Vous avez normalement mis votre caméra sous tension. Suivant. Vous pouvez faire le bouton suivant. Bouton. Veuillez allumer la caméra et attendre l'indication vocale. J'ai entendu son ding de la caméra. Donc, on vient bien d'entendre le petit ding de la caméra. On valide. Une fois que vous êtes sur cette phrase, vous allez un petit coup à droite. Bouton. Et vous validez ce bouton. Sélectionner. Peut-être. Coche. Donc vous venez cocher. On peut faire. Suivant. Bouton. Et on peut faire suivant. Bouton. Entrez les informations Wi-Fi. La caméra prend en charge les Wi-Fi 2,4/5 GHz. Pour une meilleure performance de réseau, veuillez connecter la caméra au Wi-Fi 5 GHz. Livebox 46C4. Vous choisissez donc la box que vous désirez. Commutateur, mot de passe, champ de texte. Et vous tapez votre mot de passe. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe, vous allez sur le bouton dessous. Suivant, bouton. Suivant, que vous validez. Suivant. Alors comme vous pouvez entendre, l'application est vraiment ultra accessible. Pour connecter votre caméra au réseau Wi-Fi, veuillez pointer votre caméra vers le code QR sur votre téléphone. Alors attention, c'est important ici.
sur l'écran de votre iPhone va apparaître un code QR. Vous allez prendre votre caméra et la diriger face à votre écran d'iPhone ou de smartphone Android. Scanner maintenant. Vous allez sur le bouton scanner maintenant. Le code QR apparaît. Vous prenez votre caméra que vous dirigez tout de suite devant votre iPhone. Un petit bruit se fait entendre. La caméra se connecte au routeur. Veuillez patienter. La connexion au routeur a réussi. Et vous venez d'entendre la petite synthèse vocale en français. Super sympa, non? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette facilité de connexion d'une caméra complètement accessible. C'est vraiment cool. J'ai entendu un bip sonore de la caméra. Une fois ceci fait, vous continuez à descendre et vous validez bouton. Ce bouton. Sélectionné. Peut-être. Vous cochez ce bouton. Suivant. Bouton. Et vous continuez à pitcher pour aller sur suivant. Bouton. Connexion au routeur réussi. On vous dit donc connexion au routeur réussi. Bouton. J'ai entendu l'invite vocale. J'ai entendu l'invite vocale, c'est le cas. Sélectionné. Bouton. Vous cochez ce bouton pour valider. J'ai entendu. Et vous continuez. Vocale. Suivant. Bouton. Connexion de votre appareil en cours. Initialisation du dispositif. En tête. C'est vraiment ultra facile. Première étape, créer le mot de passe de l'appareil. Alors, vous avez un mot de passe de création de l'appareil pour éviter que n'importe qui se connecte à votre dispositif. Une fois ceci fait, vous allez sur le bouton suivant. Bouton. Suivant. Deuxième étape. On est sur la deuxième étape. Nommer l'appareil. Nommer l'appareil. Donner un nom à votre caméra. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. Vision high-tech. Insertion de vision high-tech. Suivant. Bouton. Vous allez donc sur le bouton suivant. Troisième étape. Sélectionnez la scène. Sélectionnez. Intérieur. Extérieur. Bouton. On vous demande de sélectionner la scène suivant où vous allez mettre votre caméra à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais choisir extérieur. Sélectionnez. Extérieur. Suivant. Bouton. Et on peut faire suivant. Terminé. Vous avez réussi à installer votre Argus 3 Pro et c'est vraiment ultra sympathique. On peut voir ici que sur le devant, notre Argus 3 Pro est équipé d'une LED ultra puissante pour la nuit. Caméras à batterie ne sont pas conçues pour un enregistrement continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour réduire la consommation d'énergie de la batterie, la caméra ne se réveille que lorsque des événements de mouvement sont déclenchés ou lorsque vous accédez à la caméra via le client ou l'application. La caméra sera en fonction seulement quand vous allez entrer dans l'application ou seulement si elle détecte quelque chose, ce qui va permettre à la caméra de garder un maximum de batterie. Utiliser maintenant. Bouton. Une fois que vous avez lu toutes ces clauses, vous allez complètement en bas à droite sur Utiliser maintenant. Dispositif. Je vais donc maintenant placer la caméra en surveillance sur mon terrain et on va voir ensemble comment ça se passe pour les images. C'est parti. Parlons des spécificités de cette caméra. On va parler donc de la captation vidéo. On est donc sur une caméra d'une captation de 2560 par 1440 pixels à 15 images par seconde au format H265 ou H264. On a donc un champ de vision de 125 degrés, une vision nocturne qui se mettra automatiquement à la nuit tombée. Sur la face principale de la caméra, un mini projecteur LED. Juste dessous, on aura donc l'objectif principal. On aura donc le capteur de luminosité. Et dessous, on aura un micro et le détecteur de mouvement. Alors bien sûr, ici, j'ai positionné la caméra sur son socle. Je l'ai posée sur une table, mais vous allez pouvoir la mettre en suspension sans aucun problème. La caméra n'est active que si elle voit quelque chose bouger devant son objectif. Lorsqu'on lance l'application, on arrive tout de suite sur une petite vignette où on peut observer ce qui se passe réellement devant la caméra. Et ici, sur le smartphone, on peut voir que instantanément, on a l'image de la caméra en HD, donc en haute définition. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, de suite qu'une personne est repérée, la Argus 3 Pro va vous envoyer une notification et pourra même vous avertir par une sorte d'alarme qui va certainement faire fuir les personnes malveillantes. Je vous ai mis donc en gros sur votre écran comment on voit, et c'est plutôt, et la qualité de l'image est vraiment présente. Ça, c'est plutôt très sympathique. La caméra se mettra automatiquement en mode nocturne dès la nuit tombée,
Ça, c'est un de ses avantages aussi. On pourra donc activer le son de la caméra pour entendre ce qui se passe à l'extérieur de votre domicile. Et on pourra même lancer une discussion avec la personne qui est à l'extérieur, tout simplement en appuyant sur les boutons en bas de la vidéo. Côté application, on est sur une application qui se met en mode inversé si votre téléphone s'est mis en mode inversé. En haut à droite, vous avez donc la petite roue crantée pour entrer dans les différents paramètres. Modèle Roland Argus 3 Pro, batterie 48%, réseau Livebox 46C4, affiché. Paramètres pour alarme, réglage PIR, on. Enregistré, on. Paramètres de notification. Notification push, activé pour recevoir les notifications de mouvement et de batterie faible, activé. Ici j'ai activé donc les notifications push qui permettront d'être notifié lorsque une personne se présentera devant la caméra ou si j'ai la batterie qui commence à devenir faible. Courriel, son de l'alarme, off. C'est à cet endroit qu'on pourra mettre donc le son de l'alarme. Partager caméra. Timelapse. On a même la possibilité d'activer la timelapse, ce qui est plutôt cool, puisque c'est un enregistrement qui est au ralenti. Avancer, enregistrement audio, etc. Date et heure. Changer mot de passe d'appareil. On peut donc changer le mot de passe de l'appareil. Date et heure. Enregistrement de l'audio. Vous n'entendrez aucun son lors de l'affichage et de la lecture en direct des vidéos lorsque cette option est désactivée. Lumières infrarouges, auto. LED d'état. Projecteur LED. Par rapport au projecteur LED, si vous désirez vraiment avoir un très bon enregistrement la nuit, activez-le puisque. Projecteur LED en tête. Activez le projecteur la nuit pour une meilleure vision nocturne en couleur. Pour une meilleure visualisation la nuit en couleur. Et ça, ça peut être un des avantages de l'Argus Pro, de l'Argus 3 Pro. Nuit, mode intelligent. Aperçu auto-activé. Projecteur s'allume automatiquement lors de la visualisation en direct et s'éteint par la suite. Alors côté nuit, voilà ce qu'on va pouvoir voir. L'image sera donc en noir et blanc, mais l'image est vraiment parfaite. Je vous ai mis ça ici en très gros pour que vous puissiez vous faire une idée. Et lorsque vous allez arriver directement devant la caméra, celle-ci lancera le projecteur LED. Exemple, comme vous pouvez voir, on est en milieu complètement noir. C'est parti. Dès que la personne a été détectée, le projecteur LED se met en marche et vous avez une image en couleur malgré que l'on soit en mode nuit. C'est plutôt cool. Voilà pour cet Argus 3 Pro de la marque Reolink. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour le référencement. Un petit like, ça fait plaisir. Un petit commentaire et un petit partage pour encourager la chaîne Vision Hightech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible bien sûr. Salut à tous !